Salut à tous! Dans cette vidéo, on va construire une pièce maîtresse du camion. C'est la salle de bain. Donc, on va construire surtout le gros œuvre, les parois, le sol. Et dans une prochaine vidéo, on fera les parties un peu plus esthétiques. Vous verrez, on a prévu quelque chose d'assez stylé normalement. Donc, je vous laisse découvrir ça. Bonne vidéo! J'ai coupé les tasseaux pour faire la structure du plancher pour la salle de bain. Donc on commence la salle de bain là. Avec cette petite cale qu'on s'est faite, en fait, ça représente l'épaisseur de nos parois de salle de bain, qui aura la structure plus le lambris extérieur. Du coup, ça va venir par-dessus notre structure. Et donc, avec un crayon, je reporte l'angle pour qu'on arrive à découper le plancher au bon endroit. Yeah. Raising the Tobagos, we growing like fresh tomatoes. Them boys on fire, too fuego. We passing round hot potato. Everything is nuevo. I'm with my sweetie like Quavo. Need my cheese, need that queso. Need my bread, need that bankroll. Wake up, yes, Lord, I'm thankful. Another day on my schedule. Steady blocking the devil. I tell a hater, God bless you. Cherish moments that special. You gotta keep the momentum. If you love me, then I love you. And I could never forget you. Some memories don't fade. Sometimes you miss the old days. But nothing changed, lest you change what's around you. How you think, how you live, how you speak, how you walk, how you blink, how you talk, how you teach, how you reach, let it sink. What's your purpose, what's your passion, is it pain, what's your plan? Is it plain, on a plane, how to play, I'm just playing. What's your purpose, what's your passion, did it pain, what's your plan? Is it plain, on a plane, how to play, I'm just playing. I beat my Joby, feel like Obi-Wan Kenobi. Cause I'm a star and they can't hold me like I'm Kobe in the fourth. Yeah, nothing is ever forced, we headed straight to the source. No middleman, little man, let me show you if you is lost. It's a couple college courses, but I ain't finished that shoot. Been chasing dreams since 17, so yeah, I've been on my shoot. Yeah, we loaded up the vault and had to empty the clip. Remember days we wasn't paid and had to roll up the clips. Now the urge be extra strong and they come in a zip. People say we taking long, but we ain't rushing with. Put the plans in God's hands and he gon' bless us with riches. I ain't trippin' over because I'm watching my step. Putting money on the phone, cadab and call and collect. All in respect, I can't lie, I'm just here for a check. Just to bail my family out and to buy your family house. A lot of people only talking, put your money where your mouth is. Oh,
Some memories don't fade. Sometimes you miss the old days, but nothing changed unless you change what's around you, how you think, how you live, how you speak, how you walk, how you blink, how you talk, how you teach, how you reach. Let it sink. What's your purpose? What's your passion? Did it pay? What's your plan? Is it play? Wanna play? How to play? I'm just playing. What's your purpose? What's your passion? Did it pay? What's your plan? Is it play? Wanna play? How to play? I'm just playing. On a posé la paroi, l'angle. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai coupé une latte plus fine et vu que l'angle est pas très aigu, on va essayer de la visser et qu'elle fasse comme une sorte d'amorti de l'angle quoi. On va essayer, on va voir. Alors là, pour faire passer les câbles dans les tasseaux, on fait comme pour faire passer les LED. J'utilise de la défonceuse avec une mèche comme ça qui me permet de défoncer un rectangle, enfin un plat dans le tasseau, et du coup de pouvoir passer les câbles comme je veux.
fixer la structure du faux plancher de la salle de bain. Donc on l'a surélevé de 2 x 6,3 cm, donc deux épaisseurs de chevron. Et on va d'abord le fixer, comme ça après on va poser les lattes de plancher pour faire les angles, parce qu'on a des angles un peu particuliers. Du coup, en posant les lattes de plancher, on va pouvoir tracer et avoir l'angle direct sur place, au lieu de calculer des angles et tout après, une fois que les parois seront montées. Comme ça, on découpe tout le plancher et ensuite, ben, on va finir la paroi qui est là-bas et les monter. On a déjà posé la paroi là et on l'avait fixée, et en simulant un peu notre plomberie et tout, je me suis rendu compte qu'on avait mis un tasseau en bas de la paroi et que ça allait empêcher les tuyaux de passer. Du coup, donc celui-là, hop, les tuyaux vont venir buter dessus sinon. Donc je vais couper une bonne largeur pour passer. Ça en fait c'est nos tuyaux de chauffage. Et il y a notre tuyau d'eau en plus, donc il y en aura 4. Eau potable, eau froide, eau chaude et eau de douche recyclée. Du coup, il va falloir que je coupe une bonne partie. Voilà. Hop, voilà. J'ai coupé. Donc là, on va pouvoir en passer du tuyau. Et vu que ça c'est déjà fixé ici, bah, le tasseau du bas ne servait plus à maintenir. Pour avoir toute la forme, et après on va l'enlever pour que je fasse la plomberie, les évacuations d'eau, etc. Et pour mettre les parois, et après on reviendra le mettre par la suite. Mais c'était plus simple en fait de le faire maintenant pour ces angles là, parce qu'après, vu qu'il va y avoir les parois, je pourrais pas laisser dépasser comme j'ai fait là pour tracer bien les bords, enfin les angles quoi. Du coup là on a récupéré ce qui servait avant là pour la terrasse, et sous le caoutchouc il y a du contreplaqué marin filmé, et du coup j'ai découpé pour voir s'il était en bon état. Il est plutôt en bon état, du coup on va peut-être l'utiliser pour faire la douche un peu comme David de Carapace. Thank you.
Donc là, on coupe l'ouverture de la fenêtre qu'il y a dans la douche. Donc on a pris les mesures sur place et là on va redécouper dedans. Et ensuite on va venir la plaquer directement à même le mur. Donc à même le frein vapeur. Et ça sera notre paroi étanche de la douche. Donc c'est de la récup, hein, comme on vous avait montré. Donc il y a des endroits un peu abîmés et tout. On va tout reboucher, on va revernir. Et après par-dessus, il y aura encore quelque chose pour enjoliver, vous verrez. C'est là la surprise. Ça là maintenant, c'est un gros bandeau de LED étanche. On va vous en parler plus en détail dans une autre vidéo, mais c'est Eliane qui nous a envoyé ça. C'est une marque qui fait du matos pour camping, voiture, etc. Et je vous présenterai ça en détail dans une autre vidéo, mais c'est grave pratique. Là-dessus, on a tout monté pour avoir une première idée un peu de l'espace qu'on a. Donc vous voyez, c'est une grande salle de bain quand même. De la douche, j'ai une fenêtre directe sur l'extérieur. On voit juste à peine ma tête, donc c'est pas gênant, personne va nous regarder. Ayo, elle est un peu plus basse en plus. Hop, on a posé le bac à douche pour voir. Donc, vous voyez, ça nous laisse quand même de la place, quoi. Hop, ici il va y avoir la vasque. Avec un petit évier, voilà, on fait une petite vasque avec un meuble pour se brosser les dents et tout. Et là, les toilettes et la machine à laver qui est accessible de l'autre côté. Donc on va faire un petit coffrage pour la machine à laver. Et là, il y a l'alcôve de la cuisine qui va rentrer comme ça. Donc, il y aura un dos, on va faire peut-être un meuble. Voilà, mais trop content, ça fait bizarre d'avoir une pièce close enfin dans le camion, quoi. Donc ça fait vraiment salle de bain, toilette, c'est trop cool. Trop content. Et le rendu est trop bien là. La porte, il va y avoir une porte, donc on a fait le plancher là. Et ça rend bien avec le noir et le plancher beige. Voilà, donc on se voit à la prochaine vidéo pour la suite de la salle de bain et peut-être d'autres surprises. Ciao.